C'est la partie 2 du show de Gatineau au Nash Bar. Et comme juge invité, on a eu Steven Bilodeau qui a aidé en plus à l'organisation du show, la captation et tout. La soirée. Fait que Steven qui s'est fait connaître beaucoup au Gang Show. On le sait, il a pas réussi 10 fois le Gang Show. Il a pas réussi 3 fois le Gang Show, mais il est là comme juge. Il a eu 3 fois. Il a eu sa pin. Au nombre de photos que j'ai vues avec sa pin, il a eu sa pin. Oui, il a eu 3 fois. Un gros merci pour la soirée, c'était vraiment cool. Il a été vraiment bon. Puis, bonne deuxième partie de l'épisode de Gatineau. Sinon, je suis en spectacle le 6 février à Bonnage Bar. Les billets sont aujourd'hui. J'aimerais un bon épisode. Ciao. Salut Steven! Viens-t'en! Ça va le beau Steven? Ouais, ça va bien, t'es excité! Je suis content qu'on soit chez vous, c'est hot! Ben oui, moi aussi je suis content. Comment ça va, Anthony? Ça on va s'est bien, jamais là. Vu de si proche que ça. C'est vrai, hein? C'est vrai! T'es intimidant de loin comme de proche. Charles, viens t'asseoir, on va jaser. Ben là, on présente-tu le premier invité à la place? OK, on a un gong show à faire. All right! Hey, ça va être lourd. Non, ça va être lourd et long. Anto, je te laisse présenter le premier invité. Oui. On va starter ça. Mais Attends, Steven, avant de starter ça, dans l'épisode de Ben Lefebvre, oui. On t'a vu perdre connaissance. Je sais non, pas si on Anto, va le voir ou non. Je suis allé à la guerre, moi. Oui. Il y a du monde qui ont tombé moins vite que toi. Fait que finalement, c'est vrai qu'il est vite dans tout, est-ce-tu? Oh, wow! Wow. Mais c'est des conseils à donner aux humoristes qui sont sur le show? Non. Okay. Non, moi, je souhaite qu'ils laissent parler leur charisme. Moi, je suis là, tu sais, j'ai quand même 4 ans et demi dans le business. C'est pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de spectacles. Mais j'en ai encore plus comme spectateur. Moi, j'ai acheté des billets de stand-up toute ma vie. Donc, je vais être là un peu comme l'œil critique du public. Ça répond pas tant à ma question, comme t'as-tu des conseils, mais c'est pas grave. Veux-tu, toi, présenter le premier invité, puis qu'on est chez vous, ici, au Nash Bar? Bien sûr. On invite notre premier invité, Jean-Thomas Jobin! Non, c'est pas ça, pas en tout. Non, c'est pas ça. Non, Chris Zalaï, bien sûr. Ah si, ça, c'est une erreur, là. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour notre premier invité, Mathieu Barbe! All right. Tabarouette, Jean-Thomas Jobin, ça serait pas pire. Ouais, mais c'est parce que. Mais lui aussi, il a déjà passé out dans la vie, là, sur un show en live à quelque part. En tout cas, comment ça va? Soir les Nash! J'ai mis ma chemise pour l'occasion. Ces derniers temps, je me suis rendu compte de quelque chose, OK? Là, les applications qu'on a sur nos téléphones, on s'en vient un petit peu trop dépendant de ça. Amazon, c'est facile, tout le monde connaît ça. L'autre fois, j'ai fait un barbecue. J'étais avec mes chums. Il était bien content de me dire qu'il avait commandé du ketchup là-dessus. Je suis comme, gros, si tu peux pas faire ça. Le gars, il arrive avec une bouteille de ketchup de Ottawa pour te livrer ça. Matt, c'est pas grave. C'est emballé avec un petit sourire, il le voit pas. Ouais, cette soirée-là, j'ai manqué de moutarde. Fait que le lendemain, j'ai commandé ça. Puis, c'est pas arrivé comme ça. Mais là, la différence, c'est que Amazon, vu qu'on voit pas de où que ça vient, c'est ça qui est le fun. Pour des applications de boutiques érotiques, il y en a-tu à soir que. Il n'y a pas personne. Non, ça lève pas la main. Mathieu Barbe! Oh, Dieu! Alors, finalement, remets-toi sur le. Regardez le mic! Mais tasse-toi là. Parfait. C'est bon. C'est la seule chose que tu as fait de bon, là, à soir, c'est avancé. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'était quoi ton sujet? Ben, j'ai monté, j'ai comme eu un blackout, je sais pas, ça doit être la blague. Ah, toi, il connaît ça. Oui. Ben, tu, comme, marchais plus tes mots que Méo dans le vice-graton. Ouais, ça se peut, ça. Il y a la chemise qui va avec. Mais, oh, sincèrement, c'est que tu. On comprenait pas où est-ce que tu t'en allais, là. J'ai entendu le mot ketchup.
Mais ben, tu marchais tes mots. Ben, ça doit être la nervosité, là, regarde, la nervosité. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais t'as combien de shows, mettons, en date, là, dans ta vie? Ben là, quatrième, là, ça serait mon cinquième, mais mettons... Ben, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement, madame Scrochif. Tu m'aurais donné deux secondes de plus, je m'en rendais la boutique érotique, qu'est-ce qu'on aurait fait avec ça, là, tu sais, là? Je comprends, mais on comprenait pas. On s'est même pas rendu jusque-là. C'est ça. Ouais, non, parce que, en fait, tes phrases se tenaient pas. Non seulement tu mâchais tes mots, mais tu mettais deux noms, pas de déterminants, cinq verbes, tu revenais ouais, après pas ça, pas de points, après ouais. ça, trois virgules. Man, ouais, c'était comme la dyslexie orale, genre. Ouais. Ouais, c'est mieux oral que... Ouais, ouais. Okay, mais bon. Je pense que c'est ça qui est arrivé. La nervosité est venue te tuer, peut-être, là, ouais. parce qu'on savait pas où est-ce que t'allais. Puis là, t'avais des prémices engagées de genre, j'ai remarqué ça, hey, les applications, on est rendu dépendant. Ouh, t'es pas le premier. Genre, tu sais, t'arrives pas avec une vraie révélation. Tout le monde le sait. Ouais. Fait que c'est une prémisse engagée, mais après ça, finalement, tu parles de ketchup et on s'en calisse. Ça manquait de clarté énormément. Malheureusement. Mathieu, c'est quoi ta job dans la vie? Électricien. Il dit, ouais, continue à faire ça. Non, mais électricien, mais regarde, c'est... Là, ce soir, le courant passait pas, je te le garantis. Non, oui. Non, facile, ça là. Ben, était facile. Regarde, merci, boys, mais regarde, next time. Non, mais attends un petit peu. Moi, j'ai trouvé que, premièrement, de te présenter ici, ça fait pas beaucoup de spectacles que tu fais. Très courageux, OK, ça, premièrement. Oui, on peut. Non, puis je mets au défi tout le Québec si tout le monde pense que c'est une marche dans le parc, c'est pas ça du tout. T'avais quand même une bonne présence, t'avais le goût d'être là, je le sentais. Tu fais-tu du rap dans la vie? Ouais. C'est ça qui arrive, ça, de Gatineau, c'est pas une dyslexie. Non, mais j'ai senti mais que... Mais tu sais, la toune, ouais. Non, mais la toune, c'est carabaraoui, papaparapo, papaparapo, tu sais? I'm a scat, man! Fait que c'est peut-être à cause de ça que j'ai trop fait de rap dans la vie, t'sais. Et trop de drogue aussi. Mais c'est... Non! Quoi? Comment t'es passé de rap à ça? C'était en 82. Ouais, non, c'est pas mal ça. Ouais, pour en 82, rapper, faut pas que tu manges tes mots. Ben on a comme la réalité. Il fait chaud ici, là. C'est ça, je sais pas. Puis ben, quand ça va bien, t'as moins chaud. Imagine-toi si je fumerais du pot comme manger à rail. Avez-vous chaud? On va le remercier, il va blackout comment oui. Mathieu, je suis en spectacle ici à Gatineau le 2 décembre prochain et la production t'a placé en première partie de mon spectacle. On va s'asseoir puis on va travailler tes textes. T'avais 3 minutes. Au début, t'es arrivé avec une allocution qui ressemblait à une présentation de messe. Je sais pas s'il y avait une blague dans ça, mais si t'as 3 minutes, rentre tout de suite avec ton premier gag pour avoir un premier rire rapide, ce qui va te donner confiance. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Yes! Ben, je pense que ça fait le tour. Mathieu Bard, tout le monde! Mathieu Bard. Et on continue ça avec Marc Fillion! Marc Fillion! Je ne sais pas si vous avez entendu ça dans les nouvelles, mais ça a l'air que l'image de la reine sera bientôt remplacée par celle de Charles. Pas lui, on s'entend, là, mais le roi Charles. Ça va être bizarre, puis ça va prendre du temps là, à s'ajuster. Hein? Comme disons qu'on se trouve, je ne sais pas, dans un bar country à Gatineau, qui accepte seulement de l'argent comptant comme mode de paiement. Puis il faut que tu ailles au guichet, puis tu attends 15 minutes comme un tata avec ta carte. Tu acceptes de payer le 12,5 pour sortir ton assis de 20. Puis tant qu'à faire, tu en sors un petit peu plus parce que ta blonde est alcoolique. Fait que. Tu pointes ton cash, puis là, si tu fais contact des yeux avec le roi qui te juge, parce qu'on s'entend que, tu sais, on paye des choses un peu questionnables, tu sais, avec cash.
à un bar country qui est pas trop louche. Puis là, tu dis, arrête de me juger, mon tabarnak. Si ma blonde, elle veut de la bière, elle veut des drinks, si je vais l'acheter. Mais on va l'arranger, le tabarnak. Vous voyez, on va avoir l'argent la plus vandalisé sa planète Terre. Ça va commencer de façon assez innocente avec une petite moustache frisée, n'est-ce pas, monsieur? Un petit foulard et puis un chapeau écossais. Puis on se ramasse avec quoi? C'est ça, le retour de l'argent Canadian Tire. C'était Marc Filion! Qui se ramasse avec un gang! J'ai quasiment eu un flashback quand tu m'as redonné ça. Hey, j'ai pas le goût de t'écœurer, je me sens mal. T'en ressembles à tous les profs remplaçants que j'ai maganés. Eh ben, t'as une confiance de faire des jokes sur un bar louche dans lequel peut-être tu trouves. C'est juste parce qu'on paye cash, c'est pour ça, là, tu sais. Sors par l'arrière. Moi, non, j'ai senti surtout que c'était pratiquement de la psychothérapie de ce qu'il a vécu au guichet automatique. Là, c'était-tu improvisé ou t'as écrit ça? C'est écrit, là, ouais. OK, tu savais qu'il y avait un guichet ici qui est... Ouais, j'ai le inside, là, c'est ça. il va être pas mal inside, t'as le garanti. OK. Mais le fait, c'est que ça a quand même marché quand t'as starté avec ça, mais c'est-tu que c'est awkward le moment que t'as juste fait les oreilles du roi Charles? Puis que. Et ça, comme... C'est drôle, je l'ai fait plusieurs fois, puis ça a toujours pogné comme un rire, là, mais je sais pas, peut-être j'avais juste pas l'imitation exacte. Ah, c'est d'habitude, t'es pogné à deux doigts, puis là, t'es pogné à un doigt. C'est vraiment ça qui fait de la différence. Ah, c'est peut-être ça, c'est ça. C'est ouais. Peut-être parce que tes doigts chez Kep, tes oreilles avaient l'air de Dumbo. Ça se peut. Mais oui, je me demandais, je suis comme, bon, mais ça va être de l'humour de grimace, c'est ce qu'on va voir. mais j'enlèverais ce gag-là, puis je commencerais tout de suite avec. Okay. Finalement, au final, de parler du roi Charles, c'est juste pour le gag des oreilles? Ou il y avait d'autres gags qui s'en venaient là-dessus? Il y avait d'autres choses, ça s'en venait. Là, on commence à parler de d'autres choses. Là, le retour de l'agent Canadian Tire, puis comment je rentre dans un Canadian Tire par accident avec une chemise rouge. Je comprends, mais sur de parler du roi Charles, je veux dire, si tu avais fini d'en parler, c'était que le gag des oreilles? Ouais. Ben, on s'en calisse dans ce cas-là. C'est fini. Fais juste parler d'argent. Le sujet est l'argent comptant. Let's go for it. Mais c'était pas. Il va mourir dans quoi, 3 semaines? C'était le lead-in pour d'autres gags sur Canadian Tire. C'était vraiment ça. OK, OK. Hey, en bas, sur le Canadian Tire, ça va être parfait. Charles, donne-moi une seconde. Je connais Marc parce qu'on fait de la scène ensemble en anglais. Et puis, c'est ta langue seconde, right, Marc? Oui, c'est ça. Je suis plus confortable en anglais, disons. Là. Non, mais juste de se présenter sur scène, au gang show, dans ta langue seconde, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Oui, vraiment. Merci. Je trouve crissement gentil pour un gars qui est capable de faire une bombe à le fait qu'il soit roux, c'est un handicap. Oui, non, je sais. C'est, en fait, c'est son deuxième après être anglophone. mais... On est la plus petite minorité dans le planète Terre. Et rester comme ça aussi. C'est ça. Je l'assume. Non, Marc, t'as une confiance. T'as une confiance qui est là. T'as du bagage en stand-up. Il faut juste, je pense, que tu travailles, je pense, la finesse de l'écriture en français. Comment t'écris tes blagues? Est-ce que tu les traduis mot à mot ou tu demandes de l'aide aux gens pour aller davantage avec un langage plus familier en français, mettons, en québécois? C'est quoi ta démarche par rapport à l'écriture? Non, c'est ça. Comme ce gag-là, je l'ai fait en anglais plusieurs fois, puis ça marche bien. Tu sais, fait que, c'est ça. Il va falloir que je travaille un petit peu plus, puis travaille avec d'autres humoristes. Parce que ce serait le conseil que j'aurais pour toi. Mets-toi avec un humoriste que c'est sa langue maternelle, puis il va t'aider à trouver des fois les significations qui sont semblables pour arriver au punch-out. OK, parfait. Mais sinon, bravo. Merci d'être là. Sinon, merci. Yes! Marc Filion! Marc Filion, tout le monde! Et on continue ça avec Gabi Gatineau! Wow! What's up, Gatineau? Mon nom, c'est Gabi Gatineau. Gatineau, c'est pas mon vrai nom de famille. C'est juste que je suis célibataire, je me cherche un chum, et Gatineau, c'est pour la vie. Mon numéro de téléphone, c'est le 311. Pour ceux qui l'ont pas ri, ils viennent de l'Ontario. So, je suis une ancienne toxicomane dépendante. J'ai consommé de la drogue, de l'alcool, mais surtout de la cocaïne pendant 10 ans. Et ça fait maintenant 7 ans que je me rétablis. Ouais!
Ma vie est fucking plate. J'ai été obligée de me créer une personnalité parce que mon seul talent, c'était d'être belle sur la poudre. Avez-vous déjà essayé de sucer un pénis sur la poudre? Tu peux pas, tu grinces des dents. Fait que je me faisais plus d'argent. J'ai été obligée d'arrêter la drogue parce que ça coûtait trop cher. Savez-vous qu'est-ce qui est gratuit? Les maisons de rétablissement. Ça fait maintenant 7 ans que je paye pas de loyer. Ils me laissent sortir une fois de temps en temps. Je consommais à un tel point que je me lavais plus le corps, je me lavais plus les dents, puis je trouvais Steven Bilodeau séduisant. J'étais fuckée en tabarnak. Quand t'arrives... J'ai été obligée d'aller en maison de détox, puis quand t'arrives en maison de détox, ils t'enlèvent toutes tes affaires. Ils t'enlèvent ton cellulaire, ils t'enlèvent ta sacoche, ils t'enlèvent ta dignité. Dignité, c'est le nom de mon vibrateur. Disons que j'étais à 2 doigts de partir de là. Mais je suis restée parce que j'avais le droit à une thérapeute. Puis ma thérapeute m'a fait réaliser que j'étais une dépendante, une droguée exemplaire. Ce qui veut dire que oui, j'ai vendu tous mes meubles pour m'acheter de la poudre, mais moi, au moins, je faisais mes impôts. Une autre chose que ma thérapeute m'a fait accepter, c'est le fait que ma mère biologique était une prostituée. Ce qui veut dire que j'ai plein de frères et sœurs inconnus à travers de la région de Gatineau, Ottawa. J'étais un petit peu tannée d'amener un test d'ADN à chaque date. C'est pour ça que je change juste avec des Noirs. Vous feriez la même chose après avoir sorti avec un frère et un cousin? Le même soir. Vous riez? Pas moi. J'ai été adoptée. Adopter, c'est un gros mot. Moi, j'aime mieux dire que j'ai été ghostée par mon premier vagin. Puis adopter, une fois que t'adoptes un enfant, tu peux pas le désadopter, right? Comment je le sais, mon père adoptif a fait les recherches. Il me dit tout le temps, Gabi, je peux pas te désadopter, mais je peux te déshéritier. Les parties de Noël sont super le fun. J'ai été adoptée dans une famille où est-ce qu'eux, ils ont 5 enfants biologiques à eux et moi, je suis la seule adoptée. Tu sais, adopter un enfant, ça prend de l'argent, ça prend des démarches. Pas pour me comparer aux autres sœurs, mais moi, je sais que j'ai été voulue. La raison pourquoi est-ce que j'ai consommé de la drogue, c'est à cause que ma mère biologique a consommé de la drogue pendant qu'elle était enceinte de moi. Elle a consommé de l'héroïne, de la cocaïne et les feux de l'amour. Fait que je suis née avec des séquelles. Mes séquelles étaient que je vomissais beaucoup, j'avais des problèmes de mobilité, puis je voulais faire de l'humour. À Gatineau. Mais grâce à mon parcours, aujourd'hui, je suis rendue conférencière et conseillère pour Jeunesse sans drogue. C'est réussi! Ah, ça, aussitôt que tu as parlé de conférencière, je crois qu'on va arrêter ça là. Ouais. Ça sonnait un peu la conférence. Ça sonne un peu la conférence. Ben, moi, j'ai déjà eu faire ce numéro-là avec 10 fois plus de prestance. Je sais pas si t'étais nerveuse ce soir. Je suis nerveuse, oui, je vais être honnête. C'est-tu Steven Bilodeau qui se fait cet effet-là? Ou Non, c'est à cause que mon papa, il est là. Oui. Lequel? Who's your daddy? Who's your daddy? Oh! Disons que mon père biologique, c'est un client de prostituée, fait que ça pourrait être ton père. Ah! Attends, le, qui est un fils de pute dans l'histoire? Je suis tout mélangé! Moi, d'après moi, c'est moi. Okay. Non, écoute, super bon angle, super intéressant. T'as un passé fucked up. T'as grandi, t'as une assurance. Et en fait, ce qui manquait dans le numéro à certains moments, puis t'as réussi, puis t'as été bonne, t'as des solides gags, mais c'est que ça manquait, c'était toujours sur le même ton. Ça manquait de variation, d'énergie, puis de... Tu pourrais y aller vraiment... c'est ça, c'était un peu... Toujours la même musique, peu importe l'intention. Ouais. Quand t'écris ton numéro, à chaque blague, ça t'aiderait énormément. À chacune des blagues, à côté, marque-toi c'est quoi l'intention. Oui. Si tu la joues, faire rire, tu réussis, mais si tu t'es-tu apeuré, t'es-tu en colère, t'es-tu joyeuse, ça va t'aider dans ton jeu, ça va rajouter énormément à tes punchs parce que t'es ça les punchs, mais ils sont pas livrés, il manque de quoi pour les livrer au top qu'ils peuvent être. T'avais juste à être là la semaine passée. Hein?
T'avais juste à être là la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu la semaine passée, puis à tout pété avec ce numéro-là. Ah, mais j'ai déjà vu avec ce numéro-là, puis t'avais été solide. Non, c'est ça, solide, je suis juste t'sais. Nerveuse. Ça arrive. C'est full correct, mais pour vrai, t'as des bons gags. J'enlèverais, par contre, la seule chose, parce que ton père qui est là ce soir, c'est ton père adoptif. Oui. J'imagine. Oui. T'as une super belle relation avec. Oui. On est de ton bord. Fait que ton gag de « il veut te déshériter, puis il te veut plus, puis il a fait les recherches, on n'y croit pas, puis ça vient tout péter de ton histoire, je trouve. » Si c'est vrai, creuse là-dedans. Parce que sinon, ça a juste l'air d'un gag pour un gag, puis on n'y croit pas. Ben moi, je pense que c'est une seule manière de le savoir si c'est vrai ou pas. Tu lui demanderas. Gabi, moi, je dois avouer que moi aussi, je me suis fait ghoster par mon premier vagin. Et, t'as adopté? Non, c'est la première fille avec qui j'ai couché. Mais c'est... Tu disais que tu sortais avec des noirs. D'après moi, t'étais à plus que deux doigts de quelque chose. Mais... Je sais que tu fais de la conférence et t'es très bonne. T'es une fille très charismatique. Et c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup de toi. On a envie de t'inviter à souper à la maison. J'espère que tes conférences sont pas aussi sexuelles que ton stand-up, parce que définitivement, je pense qu'on va combattre le décrochage scolaire avec ça. Oui, pas dans les écoles. Mais je fais des conférences un petit peu plus humoristiques. Ouais. C'est vraiment genre pour faire peur aux jeunes. Ben là, je leur fais peur, il n'y a pas de joke. Mais si c'est, admettons, genre juste des adultes qui n'ont jamais consommé de drogue, mais c'est comme pour les sensibiliser à leurs enfants ou peu importe, là, j'amène un côté humoristique parce que là, ils ont peur de moi après ça. C'est comme too much. Sur scène, je crois qu'il faut que tu découvres ton clown intérieur. Je pense qu'il faut que tu cherches ça aussi. C'est ce que je pense. Parfait. Ouais. D'autres commentaires, des questions? Il faudrait que tu arrêtes de faire le contraire des humoristes. Tu sais, comme, mettons, un humoriste, quand sa carrière commence à aller, ça va aller à Montréal, toi, tu veux rester à Gatineau, t'as fait de la coke avant de commencer de l'humour. tu fais beaucoup le contraire des humoristes à succès. Mais une chose que tu fais, tu t'améliores énormément. Pauvre Gabi. Gabi Gatineau, tout le monde! Good job. Bravo! Et là, mesdames et messieurs, on accueille Bernie Gatineau, le père de Gabi Gatineau! C'est tout vrai qu'est-ce qu'elle a dit. Alors bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Allez! Ici. Excusez-le, il est vieux! C'est ma gérante. Merci, Gab. Alors, on recommence, vous allez bien? Oui! Mieux que ça, vous allez bien? Oui! Et vous, messieurs les juges, ça va bien? Vous avez fait un bon voyage depuis Montréal? Oui, bon. Puisque nous sommes strictement entre nous, j'ai un aveu à vous faire. Je ne peux pas parler pour les autres humoristes, mais moi, personnellement, je ne me soucie pas réellement de comment vous allez. Après tout, je ne vous connais même pas! Si j'ai posé la question, c'est pour établir un lien direct avec le public, comme on enseigne de le faire à l'école de l'humour. On conseille également de chercher à s'attirer la sympathie des juges. Check! Je suis Bernie Gatineau de Gatineau, le pendant de Mme Brossard de Brossard, mais en beaucoup plus drôle. Je suis un humoriste de la relève. Pour ceux qui me trouveraient trop vieux pour faire partie de la relève, je n'ai que ceci à vous dire. L'avenir appartient aux vieux. Il n'y a qu'à penser à Mick Jagger et à Paul McCartney. Et chez nous, à Robert Charlebois, Ginette Renault ou même Jeannette Bertrand, qui approche 100 ans. C'est l'humour avec un grand H. H pour hospice. Pensez-y. Nous autres, les vieux, on a du temps en masse. Puis si on a la chance, comme moi, d'avoir travaillé pour le gouvernement fédéral, on a aussi de l'argent en masse. Amenez-en des gigs pas payants, c'est pas un problème.
Je suis, comme on l'a dit tantôt, le père de 6 enfants. Vous comprendrez à quel point Gabi l'a échappé belle. J'aurais pu me le permettre. Vous comprendrez également que ma spécialité est bien évidemment les jokes de papa. Je possède près de 40 ans d'expérience dans le domaine. Mais avant tout, je tiens à faire la distinction entre les jokes de papa et les jokes de mon oncle. Les jokes de mon oncle sont généralement de très mauvais goût et parlent toujours de sexe, puisqu'elles ont pour but de faire rougir leur jeune nièce. Exemple. Exemple. Qu'est-ce que les vampires utilisent pour se faire une tisane? Des tampons usagés. C'est réussi! Oh, ça finit là-dessus, quand même. Ah non, restez devant le micro. Écoutez, Bernie, en 120 épisodes, vous étiez ma lecture préférée. C'est... Hey, vous êtes le premier humoriste que je vois arriver sur la scène avec des feuilles plastifiées, câlisse. Écoutez, ça fait partie du personnage. Ma gérante m'a dit, ça faut que tu y ailles avec tes feuilles puis tes vieilles lunettes. Ça fait partie du personnage. Ben, ça a fonctionné. On y croyait que vous étiez vieux, puis finalement, vous êtes... On nous était à y croire, mais finalement... Ouais. Je suis très bon acteur. Ça, je dirais pas ça, par exemple. C'est non, non, non. Ça flirtait encore un petit peu avec la conférence. Je sais pas s'il y a une influence de... Mais comment vous avez vécu ça, l'adoption? Ça doit être spécial. N'aviez-vous déjà des enfants avant d'adopter Gabi? J'attendais ma... Voulez-vous demander à votre femme ou c'est correct? Oui, oui. C'est une décision de famille, c'est certain. Oui. On était... J'avais déjà 5 enfants, en fait. Wow. Mais la question, c'est que au départ, c'est en famille d'accueil qu'elle a été placée chez nous. Et puis, juste avant qu'elle ait 2 ans, elle est devenue adoptable. Donc, on l'a adoptée. C'est vrai que t'es adoptable. Elle a été adoptable jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Là, elle était beaucoup moins. Votre fille a dit qu'elle était célibataire, donc elle est encore adoptable, mais... Pas par moi, non? Non, pas par vous, non. Non, pas par vous ou vos cousines. Non, touchez pas à ça. J'aime bien qu'ils me vous voient. Bernard, qu'est-ce que vous faisiez au gouvernement du Canada? Bernie, c'est votre nom de scène. Si tu vas reprendre. Qu'est-ce que vous faisiez pour le gouvernement du Canada comme fonctionnaire? Qu'est-ce que j'ai... C'était quoi votre emploi? Oh, j'étais traducteur. Les traducteurs, on a bien du fun. C'est ben oui, des c'est joyeux fanfaron qui parle deux langues. C'est lui... tous des clowns, les traducteurs. Lui, il a trouvé son clown intérieur. Il n'est jamais perdu. Il rit tout seul avec. Est-ce que vous êtes tombé à la retraite ou ils ont juste trouvé Google Traduction? Ben, en fait, Google Traduction, ça vaut rien. Mais ce qui m'inquiète, c'est plus l'intelligence artificielle, là. Ça pourrait faire mal. Puis quand vous dites intelligence artificielle, on parle pas de Gabi, là. Non, ça, c'est de l'intelligence naturelle. Ça, c'est un vrai père. Un bon papa. Non, mais Bernie, pas vrai? Non, sérieusement. En termes d'humour, il manquait un peu de blague au pied carré, ouais. Mais... J'ai pas eu le temps. Mais ça a fini avec une blague de commune là, qui existe, la blague de vampire. Ouais. Mais non, mais c'était un exemple de mauvais goût quand j'comprends. Même. On s'entend, là. Mais on aurait aimé ça arriver plus vite, mais en même temps, le delivery lent est super proche de votre personne. Ben, c'est parce que le monde rit trop. J'ai pas le temps d'avancer. Mais j'adore ça parce que j'ai hâte d'avoir votre âge juste pour le... C'est une répartie d'expérience, pas une répartie qui est jouée puis qui est apprise. C'est juste l'âge qui fait Écoute, l'expérience, j'en suis quand même à mon 3e spectacle. C'est plus une répartie qui s'encaulisse. Bernie, je dois te dire une chose. Moi, je suis un enfant de la DPJ aussi. Et j'ai fait un bout dans des familles d'accueil comme la tienne. Tu as décidé d'adopter.
J'aimerais ça du fond du cœur. Et pour à mon nom, celui des gens du Gong Show, le reste du Québec, merci pour ce que vous avez fait. Moi, ça, c'était pas une joke. Moi, je vais te dire, je suis très heureux qu'on puisse pas désadopter. Je l'aurais regretté. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci. Bernie Gatineau! Merci tout le monde. On vous dérange en plein milieu d'épisode pour vous dire que j'ai mon spectacle solo qui continue toute 2024. Il y a des dates, allez voir sur mon site anthonyremillard.ca, anthonyremillard.com ou charlesdeschamps.ca qui mène à mon site web. Ouais. Let's go, on continue cet épisode-là. Et on continue ça avec Hamza Elmandri! Je suis content de te voir. Je sais pas pourquoi vous êtes venu. Genre, je m'appelle Hamza Elmandri, je viens du Maroc. Puis ça veut dire que je suis arabe. Et je comprends ça, être arabe, ça vient avec des stéréotypes. Puis, puisque je suis arabe, je me douche avec de l'huile d'olive. Vous, les Canadiens, vous vous douchez avec du sirop d'érable. Ma blonde, elle se douche avec du sirop d'arabe. C'est complètement normal. Puis le film stéréotypé par excellence, c'est le film Aladdin. Pour les gens qui ne connaissent pas le film Aladdin, c'est l'histoire d'un jeune arabe qui trouve une lampe magique. Non, en fait, il la vole. Ensuite, il trouve un tapis magique. Non, en fait, il le vole. Ensuite, il trouve une princesse. Non, en fait, il la viole. Je ne me suis pas trompé. Puis, ça fait 2 ans que je suis ici au Canada et je suis perdu. Je suis perdu, man. Juste pour prendre le bus. Ici, les gens sont sympas. Un peu trop sympas. Par exemple, la fois que j'ai essayé de prendre le bus, les gens, ils ont juste formé un arc de cercle. Ils s'invitaient mutuellement à monter, mais sans monter. Ça donnait un truc du genre « Non, après vous. Non, après vous. Non, après vous. Oh, après vous. Non, après... » Le bus, il est parti. Quand le deuxième bus, il est venu, les gens, ils ont refait la même chose. « Non, après vous. Non, après vous. » Il y avait même un mec en chaise roulante qui m'a offert de l'aide pour monter. C'était complètement fou. Le pire, c'est que ça a continué dans le bus. Une vieille dame s'est levée, m'a offert sa place. Le conducteur du bus s'est levé, m'a offert sa place. Même le mec en chaise roulante s'est levé, m'a offert sa place. C'est n'importe quoi, man. C'est pour ça que vos bus, ils sont toujours en retard. Je comprends pas. Puis j'ai demandé à un ami québécois qu'est-ce qu'il y a à faire à Ottawa. Il m'a fait sortir d'Ottawa. Et après, j'ai demandé à cette personne-là qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Il m'a dit aller aux plages. C'est faux. Chez vous, c'est pas des plages. Parce que normalement, avant de rentrer dans l'eau, il y a ce qu'on appelle du sable. Pas ici. Il y a du trottoir. Il y a des troncs d'arbres. Il y a des roches. Le pire, c'est quand vous rentrez dans l'eau. Il y a de la boue, des algues. C'est un marécage, votre affaire, là. Sti. Il y a encore plus... Il y a de la neige partout, man. Il y a de la neige. Sti, je comprends pas. J'ai froid tout le temps. J'ai froid à des endroits que je savais pas que je pouvais avoir froid, là. J'ai froid au pancréas. Je peux pas te voir. J'ai froid au pancréas. Anyways... Merci. Ah, ici, merci. C'est terminé! Wow. Hamza Elmandri! Je sais pas. Tu fais mal! Oui, je suis chiant. Comme ça, c'est bon. Ok. Je te connaissais pas. Pour vrai, c'était bien, mais c'était pas parfait. C'est pour ça qu'on a gagné. En fait, le problème du numéro, c'est que tu ris du Québec, tu ris du Canada, et c'est correct, on est capable d'en prendre. Je suis pas outré, je m'en fous. Mais quand tu te moques d'un groupe, que ce soit peu importe nationalité, on s'en fout. Faut que tu fasses ça aurait été bien que tu fasses la comparaison avec le Maroc et que là on avait juste c'était toi ta vision du Québec, mais sans avoir de comparatif. Fait qu'à un moment donné ça. On sait pas sur quel pied danser, mais ce serait cool que tu puisses rire aussi du Maroc et que finalement tu nous surprennes comme ça, que on s'attend à ce que tu ris seulement du Québec, puis finalement tes blagues sur le Maroc sont encore plus fortes, puis tu ris encore plus du Maroc. C'est le genre de truc dans ce genre de numéro-là qui peut énormément aider, parce que là, à un moment donné, ça manquait de blagues, on sentait que c'était juste quelqu'un qui vient d'arriver au Québec et qui dit ce qu'il a vu. Okay, ouais. C'est une énumération, hein, pas mal. C'est pas un procédé humoristique, c'est pas nécessairement drôle ou une joke en soi, c'est ce que j'ai pu voir. Je prends pas de douche au sirop d'érable, donc ça me parlait un petit peu ça, moins. Ça, c'est une drôle de prémisse, ouais. Oui. Moi non plus. Je vais l'adresser, puis je le sais que c'est pas évident, mais
de bien prononcer va aider définitivement la compréhension de texte et à faire en sorte que la magie va opérer quand ça va être le temps de lancer ton gag. Ouais. Non, mais tu parles un petit peu sur le bout de la langue. Ouais. Ouais. On dirait que je suis mal à l'aise de le dire. Ben, Non, c'est correct. Donc, tu aurais à gagner peut-être d'aller chercher des cours de pour améliorer la prononciation. Oui, ouais, le langage. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des spécialistes. Vous marquerez ça sur Patreon aussi. Ouais, c'est un prof d'orthophoniste. C'est ça que je veux dire. Non, mais sinon, belle présence. Tu m'as dit que tu avais beaucoup d'expérience avant de monter sur scène. Ouais. Tu as combien de spectacles dans le corps? Genre 30-40, là. OK. C'est non. Pas yeah. Ouais. Sa sœur a crié dans le fond de la salle. Non, mais c'est pas beaucoup d'expérience, 30-40 spectacles. Ton texte, tu l'as interprété combien de fois, celui-là? Genre 5 fois. OK. Donc, il y a du travail encore à faire sur ce texte-là, mais sinon, belle présence. C'est le fun de voir que tu veux aller toucher ces différences-là entre le Québec et le Maroc. Ça a été fait souvent. Donc, ça va être important d'essayer de te réinventer un peu dans la langue que tu vas amener pour parler de ces différences-là. Mais sinon, Anthony avait raison. Tu sais, ris-toi un petit peu, puis ça va être beaucoup plus facile que les gens acceptent que tu ris des autres. C'est quand même de base. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Bravo. Merci. Ouais, t'es super sympathique sur scène. Au début, t'es rentré avec comme une drôle de confiance. Salut toi, salut les juges, qu'est-ce que vous faites là? Là, ça comme déstabilise. Mais quand t'as pris ton aise, puis que tu jouais le truc de l'autobus, c'était super sympathique. T'avais le sourire, on embarquait avec toi. Fait que t'as quelque chose, vraiment. Puis moi, faire une joke de viol dans la première minute, là... Je sais, c'est top. Faut des balles en tabarnak. Je te dis pas de le refaire, par contre. J'ai une base, là. Hein? Alors, fais-le pas. C'est, OK. C'est... Mon point, c'est que c'était pas une bonne idée. Charles dit d'arrêter le stand-up. Non, c'est... Quit! La joke de viol après 3 minutes minimum, là, c'est... OK, ben... On s'arrête à 3 minutes. Ouais, mais dans ça, c'est ça. Fais la peau. Mais t'es pas sympathique. T'as juste que t'as à t'exprimer un peu. Non, c'est ça la blague. Là. C'est que tu le fais après 3 minutes, fait qu'on t'écoute plus. Là, c'est... Mais good job quand même. Merci d'être passé. Merci. On peut applaudir Hamza Elmandri. Et on continue ça avec le dernier de la soirée, Maxime Péria. Ça va bien, Gatineau? Oui! Très content d'être là, très content. Mon nom, c'est Max... Périard! Nice! C'est la première fois que des gens le disent. Fallait que je revienne à Gatineau. Bon, c'est sûr, ma mère et mon père sont dans la salle puis ça l'aide, mais bon. Très content d'être là. Comme on dit, moi, j'ai grandi jusqu'à 20 ans à Gatineau. Mais comme mon rêve, c'était pas d'être fonctionnaire, j'ai quitté. Ouais. Moi, j'ai grandi dans le coin, dans quelques coins, mais entre autres sur le chemin de la savane. Yes, yeah! Hashtag pauvreté, yes sir, mon gars! Nice. Ouais. Même si on avait un peu moins d'argent, hein, la famille, ma mère, elle voulait qu'on ait des repas quand même équilibrés et consistants. Puis ça fait qu'à tous les jeudis, on commandait 4 boîtes de poulet choix du chef. Hein, parce que qui dit repas consistant dit choix du chef. Hein, qui dit consistant dit un repas livré avec des tailles rap, esti. Dang! Puis mes parents, bon, c'était pas des caves, là. Eux autres, ils tripaient sur la cuisse. Eux autres, c'est la cuisse, puis comme c'était 2 piastres de moins que le chef décide, il en commandait 4 pour moi et ma soeur. Ils ont fait des enfants pour qu'il y ait au moins 2 boîtes de cuisse sur 4 choix de chef. Puis c'est correct. T'sais, eux autres prenaient les 2 premières cuisses, moi et ma soeur, on se ramassait avec les poitrines. Puis c'est nice! Parce que moi, j'adore ça, la poitrine. C'est genre le morceau dans un poulet que j'aime le plus. Tu sais, encore aujourd'hui, là, si j'avais de l'argent, je m'endormirais à tous les soirs avec une poitrine dans la bouche. J'ai pas de cash. Fait que c'est ça, moi, j'étais content si je ramassais avec la poitrine. T'sais, moi, je suis quelqu'un qu'on appelle, quelqu'un qui est 6 poitrines. Qui est pas 6 poitrines, là, C-I-S, poitrine. Ce que ça veut dire, c'est que le choix... que mes parents m'ont imposé quand j'étais petit de devoir manger de la poitrine dans un choix de chef, ben c'était le bon! C'est le choix que je fais encore aujourd'hui! Mais ma soeur, c'est une transcuisse. Elle, à chaque fois qu'on commandait les choix du chef,
Ça y faisait de la peine en dedans. Oui, elle mangeait sa poitrine, elle se sentait pas bien jusqu'à l'âge de 12 ans. Hein, où elle a été à une fête pour amis. Ils ont commandé comme 10-15 choix de chef. Puis elle est tombée pour la première fois sur une cuisse qu'elle a mangé ça. Puis qu'elle a fait « Oh! C'est tellement moi, ça! Comment ça, mes parents m'ont caché ça toute ma vie? » Mais elle a gardé ça pour elle. Hein, jusqu'à 18 ans. Hein, à sa fête de 18 ans, moi, je suis son grand frère. Fait que, tu sais, je la sors. La garde. Je paye un choix de chef, là, tu sais. Max Perriard, tout le monde! Max! Max! La cam est juste là. On a changé la cam de place. Okay, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Comment t'as trouvé ton numéro, Max? Ben, je sentais que les gens me suivaient jusqu'à moitié, mais après... Mais au moins, ben, suivi. Ça répète un bon compte de Fred Pellerin, mettons. Ben, parfait. la métaphore est intéressante. J'avais le goût de savoir ce que tu t'en as avec ça. Ouais. Là, j'étais comme, je ris pas. C'est ça mes commentaires. Ben, c'est correct. Ben, tout le temps un peu le défi avec moi. Ben, je suis fait des idées qui prennent du temps à se mettre en place. Pis... Ouais. Mais c'est un 3 minutes. C'est ça, exactement. Non, je comprends. Puis j'essaie de le choper pour ça. La finalité du numéro, finalement, ta soeur, elle mange des chattes ou pas? Ben là, c'est ça. Fallait que ça se continue pour le savoir. Oui. OK. Ouais. Mais ça sera à quelque part, mais oui. Max, t'as beaucoup de confiance sur scène. T'es solide, t'es groundé. Tu commences à avoir beaucoup d'expérience. C'est pas ton premier gang show non plus. Non. Ce numéro-là, ça fait combien de temps que tu le prépares? Ça fait à peu près... Dans le flash, il est arrivé il y a 6 mois, puis je le rode une couple de fois. Mais comme je dis, je rode dans une version plus longue. C'est un numéro, exactement. Probablement qui est plus long. Puis il y a justement une préparation pour arriver à cette partie-là, qui est probablement ta partie la plus drôle. Donc, ça a un impact sur 3 minutes. Oui, bien, en fait, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que tu viens, ça fait plusieurs fois que je te vois. T'as une écriture le fun, où est-ce que tu pars sur des rants puis une longue chire sur de quoi d'absurde. C'est un style que tu développes, que je te vois dans des longues formes, dans des plus longs numéros, puis ça fonctionne quand même bien, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles. Tu peux pas juste appuyer sur le concept de « Ah, j'ai eu un bon angle de numéro ». Des fois, j'ai l'impression que c'est un des problèmes que t'as. Tu t'appuies que sur l'idée et tu dis « Ah, le monde embarque ou embarque pas ». C'est l'impression que j'ai. Mais il y a moyen d'aller puncher ça. Faut que ce soit punché, punché, punché. Puis j'ai trouvé ça le fun que tu commences avec un gag sur Gatineau. Là, j'étais comme « Ah, cool, OK, il va peut-être plus dans le stand-up. Il se gâte, Gatineau, il y a tous les référents. » Puis finalement, t'es retombé dans une chaire à la Max. Qui, justement, c'est ça, il a moins fonctionné. Après ça, ça peut être touché aussi, mais je l'ai pas vu au complet, fait que je peux pas parler du sujet, là. Mais il l'a assumé. Oui. Le numéro, il l'a assumé jusqu'au bout, il l'a joué fort, puis c'est ça qui est important, puis c'est après ça... C'est un numéro aussi que j'ai validé avec Maxime F. puis Elisabeth. Je suis sûr que, te connaissant, c'est bien fait, là. Ça, j'ai pas peur de ça. Il est très professionnel pour avoir travaillé avec toi. Tu parles, à un moment donné, que tu as vécu dans la pauvreté. Bon, on peut voir que tu n'as pas manqué de bouffe. Mais l'important... Hey, c'est une petite blague. C'est vrai. C'est pas un spectacle d'humour, ça, là. C'est vrai. Me faire... Je m'excuse. Mais c'est quand même drôle que le monde t'accuse quasiment de grossophobie quand t'es quand même plus pesant que lui, sûrement. Ben, probablement le dos. Mais ce que je veux dire, c'est que Max, c'est sa fête demain. C'est sa fête demain, moi, je voulais te souhaiter personnellement bonne fête. Je ne sais pas pour eux autres s'ils vont te souhaiter. Bonne fête! Max. OK, attends, pour vrai, je déteste vivre les moments de fête. Bizarrement, j'aime pas ça être sur un spotlight, même si c'est ma job, mais ma mère est là. On peut-tu faire la place? Merci, Guylaine. Ben non. Non. J'aurais essayé, ma je t'aime. On peut dire merci, Max Perriard! Yes. Merci, Max. Merci, Max. Merci, Max. Steven, c'est déjà la fin. Comment t'as trouvé ton expérience? Ah, j'ai aimé ça. Je me suis amusé comme un fou d'être proche de vous autres. Proche comme ça, j'ai... C'est quasiment... Je ne sais pas quoi dire. Je vous aime. Hey, tabarnak! Non, ouais. Mais attends, mais une des choses... Je vous aime. Quand t'as fait le gang show, on t'a souvent dit que, tabarnak, tu cries puis t'as la face rouge. T'es calme puis t'as la face rouge. Qu'est-ce que tu vis, mec? Là, je le vois de proche. Tu fais des chutes de pression, toi. C'est une condition, ça. C'est une condition. En fait, je prends une médication qui fait augmenter
ma pression sanguine. Les stéroïdes? Ben, c'est ça. Les deux jokes, t'es bonne pour le dire en même temps. Non, je suis sur une thérapie de testostérone, ce qui fait que je suis obligé de sucer des hommes trois fois par semaine. Ce qui fait que, à un moment donné, c'est gênant, tabarnak. Ben, t'as le père d'Anne-Sophie, si tu veux te remplir, là. Monsieur Desch! J'aurais trop peur qu'Anne-Sophie tombe enceinte, mais j'ai adoré mon expérience. Merci beaucoup. Merci d'avoir... Ça serait comme le moment de plugger la soirée du mot que tu fais ici chaque mardi. Moi, je suis ici à tous les mardis, là, à 20h. Là, c'est le big show. C'est quoi le big show? Tu reçois combien d'humoristes? Ça dépend. Ça dépend. S'ils sont bons, on en reçoit moins. S'ils sont pas bons, on est obligé de packer le show. Tu comprends-tu? C'est pas ça, j'avais envie de plugger. Chris, c'est bon pour te vendre. J'avais envie de plugger que si vous avez envie de m'écouter parce que je suis rendu sur le réseau Cogeco 147 FM ici, à tous les vendredis, 16h05. Anthony, tu connais cette gig-là? Oui, je l'ai faite l'année passée. Pis, ils m'ont pas repris, fait que content que tu l'as eu. Mais ça me fait plaisir. Non, mais ils voulaient quelqu'un du coin. Moi, je l'avais à Montréal au téléphone. Pis j'avais des opinions. Sinon, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, s'il vous plaît. Instagram, Facebook, TikTok. Je vais être à la télé en janvier. Je peux rien dire encore. Mais et je suis en spectacle à la Captive le 1er décembre prochain, s'il y en a qui sont Patreon, qui sont dans ce coin-là. Là, j'en profite pour dire merci. Merci à Chuck. Merci aux fondateurs du Gang Show, parce que grâce à vous autres... Ah, OK, là, ça devient quétaine, là. OK, ben oui. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette deuxième partie de l'épisode. On se voit le 6 février au Nash Bar pour mon spectacle. Sinon, si vous voulez quand même genre vous investir dans le projet du Gang Show, il y a le Patreon. Abonne-toi, pour vrai, c'est 5$. À partir de 5$, tu as accès à toutes les lives. À 7$, tu as accès à la prévente des billets. Puis là, on a plein d'événements. On s'en va à Jonquière, on s'en va à... J'ai pas le droit de les autres tout de suite. On a-tu le droit ou on n'a pas le droit? On s'en va dans plein d'autres villes. Ouais. Fait que si vous voulez avoir ça en priorité, c'est sur le Patreon. Fait que c'est ça, abonnez-vous au Patreon, puis on se revoit dans quelques jours pour un autre épisode du Gang Show. Ciao. Bye.